Fabergé est probablement le plus emblématique artiste joaillier du monde. Il a produit des œuvres d'art telles que des automates, des sculptures en pierre dure et évidemment de légendaires œufs de Fabergé. Dukoscopy TV est en Suisse, la dernière demeure du fondateur de Fabergé, pour découvrir l'histoire de la marque la plus vénérée dans le monde de la joaillerie. Les œufs de Fabergé appartenaient aux plus riches et plus célèbres leaders mondiaux, comme le tsar Alexandre III et le tsar Nicolas II. On a commandé à Fabergé de créer des œufs pareils pour les Rothschild et les Yusupov. Ayant survécu à la révolution sanglante et aux événements dramatiques de la Seconde Guerre mondiale, des œuvres uniques de l'art joaillier sont devenues une partie des collections de la reine du Royaume-Uni Elizabeth II, du collectionneur Malcolm Forbes et de l'homme d'affaires russe Victor Vekselberg. Gustave Fabergé a fondé la joaillerie en 1842, mais c'est grâce à son fils Pierre-Carl Fabergé que la marque a commencé à attirer l'attention internationale. Il est devenu le fournisseur attitré de la cour impériale de la Russie et le tsar Alexandre III l'a sollicité pour la création du premier œuf de Pâques impérial. Une conception luxueuse et des détails complexes ont été considérés géniaux. Et la tradition de créer un œuf impérial pour chaque fête de Pâques s'est installée. Je pense que l'une des meilleures descriptions de Fabergé que j'ai jamais entendue, c'est que la marque a une sensibilité française avec l'âme russe. Et ce que certains ne savent pas, c'est que la famille Fabergé était originaire de France. Ils ont migré à travers l'Europe et se sont installés en Russie. Et en fait, le nom de famille a connu des changements pour devenir enfant Fabergé. Au total, Pierre-Carl Fabergé a fait 50 œufs décorés pour la famille royale russe entre 1885 et 1916. Le degré de complexité de la création des œuvres de Fabergé d'avant 1917 et de l'époque moderne est vraiment incroyable. C'est la fusion des compétences, de la conception et de la créativité qui augmente la valeur de Fabergé. Chaque œuf symbolise une étape particulière de l'histoire. L'œuf au Transsibérian de 1900 symbolise l'approche de la fin de la construction du chemin de fer qui reliait les Russies européennes avec les côtes russes du Pacifique. Le dernier œuf, créé en 1916, celui à la croix de Saint-Georges, est tragiquement devenu la création finale de son genre. Les révolutions russes de 1917 a mis un fond brutal à la dynastie des Romanov et à la maison Fabergé. On dit souvent que la tragédie de la famille impériale des Romanov a contribué à la gloire internationale de Fabergé. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec cette théorie. La tragédie, sans aucun doute, a aidé à développer la notoriété de la marque. Mais je pense que c'est la rareté qui augmente la valeur. Le fait est que les pièces fabriquées en 1917 sont si particulières, si rares et si difficiles à reproduire que cela détermine la valeur que les gens attribuent aux œuvres de Fabergé. En 1918, Pierre-Carl Fabergé a réussi à s'enfuir de la Russie en se faisant passer pour un des courriers de l'ambassade britannique. Et il a décidé de rejoindre sa famille à Lausanne. On croit qu'il n'a pas pu supporter les nouvelles conditions climatiques et est mort 2 ans plus tard en Suisse. Cependant, en 1924, ses fils, Alexandre et Eugène, qui ont gardé le nom de famille, ont déménagé à Paris pour ouvrir la maison Fabergé la même année. Étant donné des relations étroites entre les familles royales de l'Europe et l'échange fréquent de cadeaux, il n'est pas surprenant que la famille royale britannique est fière de posséder ses œufs de Fabergé. Les œufs sont venus de la Russie impériale en Suisse, à Paris, aux États-Unis, et certains d'entre eux sont même revenus dans leur pays d'origine, la Russie. Près de 100 ans plus tard, avec de nombreux changements de propriétaires, la société semble aujourd'hui se remettre sur les rails à l'aide de Gemfields. En janvier de 2013, Gemfields a acquis Fabergé pour un montant de plus de 90 millions de dollars américains. Évidemment, il est très difficile aujourd'hui d'estimer quelle valeur le marché va attribuer à Fabergé. Gemfields PLC a vu une considérable tendance à la hausse dans le prix des actions au cours de 4 ou 5 dernières années. Et la société a actuellement une capitalisation boursière d'environ 550 millions de dollars. C'est la valeur de toute la société Gemfields PLC.
Donc, même si quelqu'un offre une somme plus solide par rapport au prix d'acquisition initial et voudrait acheter Fabergé à Gemfields, la réponse de Gemfields sera un non catégorique. Pour devenir le nom le plus célèbre dans la joaillerie, il est nécessaire de diversifier votre production. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que Fabergé a en fait une très forte tradition dans l'horlogerie. Avant 1917, beaucoup de gens connaissaient des montres fabriquées par la marque Fabergé. Je pense que la combinaison des aspects mécaniques, des automates célèbres de Fabergé fabriqués avant 1917, témoigne de ce que la marque a une bonne position pour développer notre vision du monde de l'horlogerie, comme l'a prouvé la montre Lady Complicated Peacock de Fabergé. Donc Fabergé, qui était autrefois étroitement lié à la Russie impériale, est en pleine expansion dans le monde entier. Cette année a apporté une soirée très spéciale pour toute l'équipe de Fabergé, qui a eu le privilège et l'honneur de recevoir le grand prix dans la catégorie Ladies High Mechanical Watch lors du Grand Prix d'horlogerie de Genève. C'est une énorme distinction pour l'équipe qui a travaillé dur. Et je crois que c'est un succès remarquable pour nous de recevoir cette récompense dans le domaine de l'horlogerie. Nous voudrions remercier tous qui ont travaillé avec nous, tous les fournisseurs et toute l'équipe de Fabergé. Et moi, heureusement, j'ai la possibilité de présenter au monde entier ce que nous avons créé. En 2008, Tatiana Fabergé, l'arrière-petite-fille de Pierre-Carl Fabergé, m'a présenté une petite sculpture de Pierre-Carl Fabergé. Elle m'a demandé de le mettre sur mon bureau pour qu'il puisse garder un œil attentif et servir comme un rappel constant de la responsabilité que nous avons devant ce nom légendaire. Tandis que Pierre-Carl n'a pas reçu une invitation officielle à l'événement de ce soir, quand même, je l'ai pris avec moi. Avec la sensibilité française et l'âme russe, Fabergé a une histoire remarquable. Le temps nous dira si la marque aura un avenir brillant qu'elle mérite.